Allez, on repart. Nouvelle partie. Où allons-nous arriver aujourd'hui? Oui, ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Alors, c'est un petit village typique du Japon. C'est mignon, si on veut. Hein. Bon, il n'y a rien à faire, hein, mais... On va essayer de trouver une route. On va essayer de remonter là-haut. Il y a l'air d'avoir peut-être quelque chose là-haut. Non? Il y aurait une route? Non? Oh! On tente en bas? Merde, c'est en haut ça. On tente de ce côté-là. Oh! Aïe aïe aïe. Ah, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux déjà. Alors, est-ce qu'on a un petit truc qui nous indique bypass. C'est bien. Mais à part ça, on est à... On est à Daigakubo. Ok. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on serait pas... Oui, on est dans... On serait pas dans le Kyushu par hasard? Je sais pas dans quoi on est embarqué, mais on y est en tout cas. Y a rien, je suppose, hein. On supposait qu'il faut tourner. On est mal barré. Je sais pas où on atterrit. Mais ça sent très mauvais parce que je pense que la route elle est encore là-bas. Oh yeah. Shikoku, Kyushu du coup. Ah, j'ai presque envie de parier sur Shikoku vu l'état des routes. On a un autre village ici. On monte ou on descend? Alors attends, il y a des petits panneaux, des petites indications. Pardon. Fukushima. Bah, j'en sais rien là. Je dirais Shikoku de toute façon, mais. Est-ce qu'on tente en bas? Est-ce qu'on monte? On va monter, la route a l'air d'aller plus par là. Non, mais c'est impossible de trouver quoi que ce soit là-dedans. Ben non, mais j'en sais rien. Hein. Là, à moins de connaître l'endroit, globalement, c'est impossible de trouver. Hein. À moins de dire, ah, c'est ça, clairement. Non, ben, je vais parler sur Shikoku parce que ça y ressemble. Hein. Mais à part ça, bah, il n'y a rien, tu peux rien y faire. Là. Dans le genre d'endroit.
Statue of a Ping Boy. Ah bah oui, on est sur les gars. Non, bah on est clairement pas là, alors. On va essayer là. Ah non, pas du tout. Nous étions dans la préfecture de Nagano. C'est juste à côté de Nagano, en plus, hein. Oh. Bah, comment tu veux trouver ça, quoi. Comment tu veux trouver dans ce bazar avant qu'on arrive sur quelque chose. Je veux dire, on est monté, hein. On est monté. Je sais pas par où on est monté d'ailleurs. On est monté par là, je crois. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, on est monté par là. Donc on était parti sur une route comme ça, là, dégueulasse. Mais dans tous les cas, on ne serait jamais arrivé. On serait arrivé nulle part. Parce que là, je suis parti. Je suis peut-être arrivé là. Je suis arrivé là. J'étais en train de faire ça. Donc avant que j'arrive quelque part, oh, il y a un joli loop ici, avant que j'arrive quelque part, j'avais encore du chemin à faire. Oh, 5 minutes, c'était même pas la peine de... Ah, c'était mort. C'est complètement mort. Bon, bah ça commence très mal en tout cas. Alors, bon bah, ouais. Il aime bien nous laisser sur des routes comme ça, avec rien. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu d'informations ici? Faire attention pendant l'hiver, on dirait. On pourrait être sur Hokkaido. Ça pourrait ressembler à Hokkaido. Bon. Hein, quelque chose ici? Je sens que cette partie est exceptionnelle. Des routes et des routes vides. C'est... Oui, je pense que nous sommes à Hokkaido, parce que des grandes étendues, des grandes... C'est pour le Japon, j'ai envie de dire. Ça reste des grandes étendues droites comme ça, avec très peu de montagnes à l'horizon. C'est possiblement Hokkaido, ouais. Je vais me placer à Hokkaido quand même. Enfin, c'est qu'Hokkaido, c'est immense. Alors bon. Il y a quelques montagnes, donc on va essayer de se mettre par là, au Bihilo peut-être. Ok. Ah, un panneau. On aura un panneau ici. À mon avis, ça va être un truc pourri qui va ne rien nous indiquer. Ah bah oui. Attention, il y a une courbe. Merci. Voilà. On va nulle part. Hein. 0, 0, 0, 0, 0. Non, on a une montagne à l'est. On a une montagne à l'est, donc on pourrait être potentiellement dans ces eaux-là. Hein. On pourrait potentiellement... Je sais pas, on va se mettre par là. Hein. On a une grosse montagne, hein, quand même. Donc, bon, on a des fermes. Ouais, je pense qu'on est à Hokkaido, là. Ça y ressemble beaucoup. Ouais, je pense qu'Hokkaido, on est à peu près sûr. On a une... Ça pourrait ressembler à ça, hein, mais bon. Ah ! La route 334 nationale. Elle est où la 300? Ah, j'ai oublié de zoomer parce que sinon je vais rien voir du tout.
Alors, 391, 240, 380, 334 nationales, c'est maintenant que je la trouve. 236, 236, 336, 336. Non, ma chance qu'on est dans le coin, hein. 336. Si, on est clairement dans le coin. Hein. 237, 273, 273, 239, 334. Hein. 241. Moi je suis mis par là, hein, mais à mon avis. 274, 241, 242, 38, 336, 336, 236, 336, ah, c'était de l'autre côté, ok, 304, elle était là. Ah! ...334, elle était là. Oh, salut Sogamo. Je peux du riz pour les maquis. Oh, bon appétit. Oui, moi aussi, j'ai fait un grand tour à Hokkaido. C'est pour ça que je reconnais un petit peu. Mais c'est compliqué, hein. C'est immense, Hokkaido. Trouver les routes. 334, elle était là. Je sais pas. On devait voir ces montagnes par là, je pense. C'est vers Otaru? Non, pas du tout. C'était vers. C'est ici, là. Vers. Plus. Quasiment tout à l'est d'Hokkaido. Hein. Comment que ça s'appelle par ici? Alors, moi, j'avais été. Asahikawa, on avait été. Et... Par où on était hein? Biolo. Non, pas Biolo. Mais on avait. Si, j'avais dormi ici à Shari. Ici. Et voilà, Abashiri, je crois que c'est là. Il y a un musée, non? Il y a une prison. Il y a une prison-musée, je crois que c'est là. Hein. Elle est là, Abashiri Prison Museum, ouais. Sympa à visiter aussi. Kamisu, il y avait Kamisu sur le chemin, j'ai pas fait gaffe. C'est par là. Kitami, Ozora... On était quasiment arrivé à la boue. Bon, moi j'ai trouvé Hokkaido, c'est pas trop mal. Hokkaido, c'est le Jura japonais, oui. Un peu, ouais. Oula, où est-ce qu'il nous a amené? Oi, oi, oi. Pourvu qu'il m'a pas coincé. Oh non. Il m'a coincé là-dessus. Non, on peut sortir. On peut sortir. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, c'est bien ça. Oh, ça sent mauvais, ça. Est-ce qu'on peut aller par là? Est-ce qu'il y aurait des explications? C'est quoi, celui-là? C'est Minami? C'est pas Minami, si c'est Minami, ça ressemble à ça. Ça pourrait ressembler au Kanji Minami. Hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment par ici? Normalement, il y a une stone Ateruma Observatory. Ateruma, si ça doit être ça, non? Comment ça s'écrit Ateruma? Ateruma Dima, non, c'est pas ça. On va essayer de regarder, il n'y a pas des choses. C'est quoi? Parce que là, c'est globalement, c'est le plus au. Ah! Attends. J'ai un trou. S, ça s'écrit comment déjà? S, ça s'écrit comme ça. Pardon, putain, j'ai du mal des fois. C'est pas ouest, c'est pas nord. C'est des toilettes en tout cas, on dirait. Ah non, c'est Onsen. Ah
Alors, je regarde pas le chat pendant que je cherche, j'essaie de trouver. On discute après. Pas besoin de pour prendre des photos des toilettes, merci. Il a chaï massé, ok. Il n'y a personne en plus, il faut payer, mais. Alors, où est-ce qu'on est? On a un onsen, hein? On a une espèce de onsen ici. Non, on n'est clairement pas à Telo Majima parce que ça ressemble pas à ça. Enfin, c'est beaucoup moins peuplé que. Ah, on peut pas sortir! Ah merde, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Sakinoyu Hot Spring Rock Bass, ok. Bah, ça m'aide pas beaucoup, hein. Ça pourrait ressembler plus à ça, hein. Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup plus de choses sur cette île-là que... Mais là, c'est pour regarder le sunset, c'est pas... Il m'aurait mis quand même s'il y avait un... Last Sunset View is Spoked in Japan, ouais, ok. Je vais me mettre là quand même au cas où. Après, ça ressemble pas vraiment aux eaux d'Okinawa, hein, soyons honnêtes. Et on peut pas aller plus loin. Ok, on est bloqué là-dedans. Zut. Ouais, ça ressemble quand même moyen aux eaux d'Okinawa. Hein. Enfin bon. Enfin, ouais. De toute façon, on est orienté ouest. Je suis débile. On est orienté ouest, donc c'est clairement pas là-bas. Bah, je sais pas. Où est-ce qu'ils nous ont foutu? Bah, je sais pas, le plus à l'est, à l'ouest, pardon, de... C'est ici le point le plus à l'ouest, alors ils ont... Il y a un... Mais le truc, c'était pas marqué ouest non plus, donc... puis j'y suis allé au point le plus à l'ouest, mais pas de... Putain, je sais pas, où est-ce qu'on a pu passer? On va essayer de visiter un peu, mais ils m'ont coincé là-dedans, hein. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est marqué le point le plus à gauche du Japon. Ah oui, d'accord. C'était ici. Ah oui, je me suis mis dans l'eau sans faire exprès, en plus, complètement à côté. Ah, je connaissais pas. Donc Wakayama, ok. Salut Eglantine. C'est le soir, tu es... Yuzulu, les gars, tu connais? Soir, c'est normal, tu es fatigué. Et plus tu es soumis à toute la journée à la langue japonaise. Oh non, surtout à la langue anglaise toute la journée. Mais du coup, c'est quoi qui était écrit? Pourquoi c'était marqué Nihon no Sai... Sai Sa? Saki no Yu. Ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, bah je connaissais pas. Je pouvais pas sortir du truc. Ils sont mignons, mais tu peux même pas sortir de la zone. Oh non, putain. Encore des routes. Encore des routes. Et on a eu 3 routes. 3 routes infinies, là, comme ça. 3 routes bien typiques du Japon où ils ont foutu au milieu de la montagne, comme ça tu peux pas trouver où tu es. Allez, voilà. C'est parti. On est parti pour suivre la voiture. Hein. Bon, bah on est parti, hein. On va faire des kilomètres sans qu'il y ait un seul panneau. Et donc 3 comme ça déjà. Oh non, bon pardon, je suis médisant, on a eu un panneau. Alors, est-ce que ça va m'aider? Okuzo, Yamane, Mamio, Hikatai, je ne connais pas du tout. Yamane peut-être, ça me dit quelque chose, mais bon, je ne serai pas retrouvé. Est-ce que je conduis tout droit? Tout droit, ça a l'air sympa.
Ah merde, j'ai peut-être regardé si de l'autre côté il n'y avait pas un panneau qui m'indiquait quelque chose d'autre. Ah oui, là, attendez. Il y a un panneau là aussi. Noda. Ouais, bah Noda, ça va pas beaucoup m'aider non plus. Bah allez, on est parti. On est reparti dans les routes de montagne japonaises, essayer de trouver quelque chose. Où est-ce qu'on est? À mon avis, on va pas trouver. Vu quand ça commence comme ça, tu fais bon. Camion. Bonjour, monsieur le camion. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de route, peut-être? Un numéro de route, ça serait pas mal, au moins une régionale. Un numéro de régionale, ça serait pas mal avec le nom du département en dessous. Ça serait pas mal. Non. Non, même ça, c'est trop demandé. Genre, t'as eu un panneau sur tout le truc. Démerde-toi si tu connais pas les trois villes qu'il y a sur le panneau. Eh bah, t'es foutu. Bah, mais ça va pas m'aider, hein. Ça va pas m'aider. Je crois qu'on arrivait en ville, mais un petit peu. On va voir si on peut pas trouver des trucs sur les peu de bâtiments qu'on a sur le chemin. Non. Non. C'est l'un de le centre communautaire de l'endroit. Bon, là, il y a des grandes maisons, hein. Mais à part ça. Qu'est-ce que je peux parier? Parce que finalement, ça ressemble à n'importe quel endroit dans les montagnes japonaises. Hein. Ouais, c'est mal barré. Hein. Hop, allez, on fait demi-tour. Un petit message, un petit passage, un petit virage. Ah, ah. Non, oula, oula, oula. Ça sent mauvais là. Quand t'arrives à une route comme ça, tu fais wow. Yamane Ube. Ube. On est sur la 29. Oh. La 29 de Iwate. C'est ça, hein? Iwate. Iwate. Bah, c'est où on était, Iwate? C'est où on était vendredi. Maintenant, il faudrait trouver la 29 régionale de Iwate. Et où sinon, Ube. Est-ce qu'on n'aurait pas Ube dans le coin? Je regarde, vite fait. Iwate, Tono, Osho, Ichinoseki. Et la 29 régionale. Hein. Ube, Oshu, Tonu. On va essayer de se mettre au milieu là où il y a. Yamada, Miyako. Ouais, ça va être compliqué. Hein. La 29. Kuji. 45. Hirono. Nino. Ichinohe. Ninohe. On va peut-être se mettre par là, tiens. Genre, j'en sais rien. Allez, hop. Non, je n'ai pas trouvé. Merde, c'était de l'autre côté. Ah, Noda. Ah, Noda, c'est vrai, j'en l'avais vu tout à l'heure, Noda, sur le panneau. Elle est là, la 29. C'est une chanson et le top 100 japonais. Moi, j'ai une photo d'un renard juste derrière la vitre de la voiture. Ah ouais? Ouais, Yamane, ouais, pareil, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me disait quelque chose, je sais pas où c'est. C'est où Yamane d'ailleurs? J'ai peut-être une autre ville connue qui s'appelle Yamane aussi, tiens. On peut regarder vite fait. Si je fais Google Maps. Tiens. Yamane. Non, c'est pas. C'est là qu'il faut chercher. Yamane. Ah, Saitama, il y a un Yamane aussi. À Chiba, il y a un Yamane aussi.
Ah, mais c'est le nom. Ouais, ok. Bon, de toute façon, il y a tellement de Yamané. En plus, ça s'écrit pareil, non? Ah ouais, ça s'écrit pareil, hein? Bon, bref. Ouais, tu vois, on n'est pas prêt de trouver quelque chose si tout le monde s'appelle. Si tout le. Noodles, Noda, Yamanu aussi. Yamanu aussi? Noda, Manu Noda. Ah, Ube, c'est là. Gikuchu Ube. Kuji. Ouais, bon, bref. Yamane, ah, Yamanu. Yamane, Yamanu. Bah, c'est une catastrophe, hein, cette partie. Hein. Ah, tiens. Ah, bah, au moins, pour une fois, on n'est pas au milieu de la montagne. Hein. Alors, on a la Kokudo Q. Alors, on avait dit quoi? 1, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Et on n'était pas arrivé jusqu'à la 9. Alors, la 9, est-ce qu'elle serait par en haut par hasard là? La 9, elle est là. Voilà, nickel. Donc, nous passons au niveau de la 9 nationale. Nous allons direction Yonago. Ah, nous sommes à Central Yonago. Je ne connais pas Yonago. Est-ce qu'on cherche Yonago comme ça, là? Sur la 300 régionale, Obama. La 9, elle commence où d'ailleurs? La 8, elle est là. Elle commence où la 9? La 8 est là. Je pense que la 9 doit commencer dans le même genre, hein. Où elle commence la 9. J'aime pas les routes japonaises parce que. Ah non, ça doit descendre, je pense. Alors on a des routes là, tu dis, ah bah elle est finie la route 9776. Et bah je suis sûr que si tu continues, elle doit revenir quelque part ailleurs. Les routes, ça sont coupées, c'est horrible. Ah, Yanase, Yabu. Et on cherche. Ah, Matsu. Ah non, il y a Matsue aussi, moi j'avais pas fait gaffe. Donc on est complètement ici. Matsue sur la 190 et on cherche la 300 également régionale vers Yonago. Yonago, ça me dit quelque chose en plus. Hein. Izumo, Yonago, c'est ici. Ok. Donc 300. Donc on n'est même pas dans le même département. Du coup, on est arrivé dans le département de Totoli. Ok. Donc Central Yonago, ok, et on cherche. Parce que là on est sur. C'est quoi? C'est l'autoroute qui passe au-dessus, non? C'est l'autoroute ou c'est la. Ah, c'est peut-être la départementale. Tiens, on va se mettre là directement. Allez hop! Yonago Nishi, nous sommes sur la 9. Nous sommes sur la 9 du coup. Yonago Minami, Yonago Higashi, donc Nishi, on doit être là. Yonago Nishi Aichi, ok. Donc on est à la sortie, on est juste là. Et donc théoriquement c'est juste derrière, non? Derrière il y a l'autre. D'ailleurs il y a l'autre. Ah oui d'accord, on est sur l'autre sortie. Donc on doit juste arriver à Yonago-naka, je pense. On doit être par là. Ah, c'est peut-être le seul qu'on va réussir à faire un score honorable. Je pense que là la sortie ça doit être Yonago-naka. Si je dis pas de bêtises, on doit être pas mal. Yonago-naka, exactement. Donc là, on est juste. Actuellement, on est pile poil ici, globalement. Et nous, on a commencé. Ah, on a la route. Ah, bah, on est juste là, en fait. Parce que la route passe là, du coup, je pense. On est juste quelque part ici. Oh, on peut faire de l'escalade. Rock climbing gym, cool. Je sais pas où, mais apparemment, ici. Apparemment, on peut faire de l'escalade dans ce truc-là. Parce que là, j'ai juste la. Je suis pas sûr, hein. Faut bien vérifier. Mais ouais, ça ressemble à ça, hein. La sortie est là, ouais, non, si ça doit être ça. Hein. Bah, je pense. Hein. Il y a deux maisons, il y a la route qui arrive. Ouais, non, ça doit être ça. Hein. Mais alors, je suis pas sûr qu'on fasse de l'escalade là-dedans, mais bon, pourquoi pas en vrai. On est vraiment juste au niveau là. Allez hop. Non? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu valides? Ah non, ça c'est pour. Pardon. 4 mètres! Boum! Ah, je peux autoriser ton message maintenant. Je peux faire de la modération en direct, c'est mieux. Oh, merci Eglantine. Merci pour les 10 bits, merci beaucoup.
Un peu de soleil au sud et pluie toute la journée. Bon, ici, il a plu toute la journée, c'est pas terrible, hein. Mon message est coupé en le passant entrecoupé. Ouais, il est passé, je l'ai autorisé, parce que je peux le voir du coup. Parce que tu as utilisé le mot pervers, c'est pour ça, c'est pas bien! Ouh! Bon, bah, c'est triste quand même d'être arrivé, d'avoir fait un score aussi dégueulasse, hein. 13 257 points. Le robot pervers. Ouais. Ou tu peux mettre vert avec un T. Ou vert avec deux RE. Bon, bah, il n'y en a que un qu'on a réussi, hein. Un seul. Là, je me suis mis, j'ai oublié de mettre dans l'eau, mais c'est impossible à trouver. Je veux dire, ce truc à Wakayama, le onsen bloqué dans un onsen, c'est impossible à trouver si tu sais pas où c'est. C'était pas écrit, oh Wakayama Ken. Le Robert le pervers. Robert, oula, oula, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, non, mais des fois, ils nous font... Je sais pas où ils ont été, franchement, les gars de Google Maps, de Google Earth, ou de Google Maps, tout simplement. Street View, d'ailleurs. Ou s'ils ont été au Japon à chaque fois, mais genre... Franchement... Genre, le mec, il a quand même été dans un onsen, et il dit, tiens, je vais prendre ma caméra, et je vais filmer pour Google Maps, c'est quand même super. Une fois, je suis dans un train, quand même. C'est un jeu fait pour les Japonais. Non, c'est un jeu. C'est fait par un Suédois, je crois. C'est fait par un Suédois. Après, ça prend les données de Google Street View. Donc, c'est tous les endroits où Google Street View est passé. Mais des fois, tu te dis, franchement, il. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il va foutre là, aller prendre des photos et se dire, eh, c'est pas mal, je pense que les gens. Ah, peut-être qu'ils ont été demandés par des. Genre des. Par les propriétaires. Peut-être que le propriétaire voulait que Google passe ici et que tu sais la vie de mettre son chemin. J'imagine le mec quand même qui passe son temps en train de prendre des photos partout en marchant là. Je dis tiens, je vais y aller là. En fait il est allé au monde scène, il a oublié d'éteindre sa caméra et du coup on s'est retrouvé avec ça. Aïe aïe. Bon allez, on fait une partie de plus. On va pas s'arrêter sur une manche comme ça quand même.